Manavilla. Manavilla, son histoire, ce sont des histoires en fait, hein, puisque c'est un recueil de nouvelles. Il s'agit de choisir le moment dans une vie où celle-ci va basculer, c'est-à-dire l'instant du choix qui va décider a priori de toute une vie. Alors sans morale, sans donner de leçons, simplement décrire dans chaque cas, en fait, dans chaque nouvelle, ce moment, pourquoi il est arrivé, décrire ce moment et la conséquence éventuelle de ce choix, pour le pire comme pour le meilleur. Voilà. Il y a un certain nombre de nouvelles qui ont été... mon choix, en l'occurrence, a été de faire une gradation du noir au blanc. Les premières nouvelles peuvent être qualifiées d'oppressantes. Au-delà même de noir, elles sont assez oppressantes. Et puis après, on va passer par des nouvelles qui sont plus classiques. Certaines, on va dire, qui peuvent se rapprocher d'un noir américain un peu classique. Une dispute, un braquage, un meurtre. Et puis insensiblement, on va basculer dans quelque chose de moins sombre. Toujours peut-être un petit peu, puisque ce moment du choix, d'après moi, il est tout le temps quand même assez dur. Hein, je pense que les héros, entre guillemets, qui sont mis dans ce genre de situation, de toute façon, le vivent pas bien, donc ça peut pas être très clair. Mais en tout cas, ça va être moins sombre, plus on passe les nouvelles, aux deux dernières qui sont... qui manifestement peuvent être d'espoir et même totalement blanches, on va dire, pour employer un mot à la mode en littérature.